Monsieur le Président, je vous remercie d'être venu en Grenoble, d'avoir accepté la participation à la conférence de l'UPEG et bien évidemment votre accord pour cet entretien. Comment pourriez-vous caractériser les relations entre l'Europe et l'Afrique à leur étape actuelle? À l'heure actuelle, les relations entre l'Europe et l'Afrique sont déjà des relations vieilles, pratiquement de plusieurs dizaines d'années. Et une très grande expérience des relations entre l'Afrique et l'Europe est déjà acquise des deux côtés. Et par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes en mesure d'évaluer cette coopération et cette relation entre l'Europe et l'Afrique parce que elle a été formalisée déjà depuis 1957 et nous sommes aujourd'hui dans la dernière phase des derniers accords qui vont jusqu'à pratiquement 2030 parce que les derniers accords ont été faits en 2000 pour une vingtaine d'années, et donc vers 2020. Et par conséquent, nous sommes aujourd'hui en mesure d'évaluer cette situation. Or, si nous essayons d'évaluer de cette situation, malgré les efforts énormes qui ont été consentis à la fois par l'Europe et malgré les efforts énormes des tentatives de se développer de l'Afrique, nous voyons jusqu'à aujourd'hui que cela n'a pas encore beaucoup porté en Afrique, que l'Afrique reste encore extrêmement pauvre, que l'Afrique reste encore extrêmement marginalisée sur le plan des relations internationales. Et par conséquent, il y a une nécessité aujourd'hui, je pense, de réévaluer ces accords et véritablement de savoir qu'est-ce qui n'a pas été, parce que beaucoup de moyens ont été utilisés et beaucoup de temps a coulé depuis ce temps et les résultats sont encore extrêmement mitigés. Et donc je pense qu'il est temps d'évaluer cette situation et de voir qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qui ne va pas et essayer véritablement de remettre les choses dans une autre perspective qui est une perspective qui peut être une perspective véritablement qui pourra permettre à l'Afrique d'évoluer en fonction du niveau de l'aide qu'elle reçoit de l'Europe et d'autres pays et véritablement qu'elle puisse se débarrasser de cette situation qui est sa situation aujourd'hui. Merci beaucoup. Quelle est votre représentation idéale de relation de l'Europe avec l'Afrique? Je pense que l'idéal, la relation idéale, c'est d'abord les uns et les autres de se débarrasser des préjugés. Donc je pense qu'aussi bien les Africains que les Européens se débarrassent des préjugés les uns et les autres. Les Européens se débarrassent du préjugé de l'Africain bon enfant, de l'Africain qu'il faut gérer, de l'Africain qu'il faut aider malgré lui, de l'Africain qui n'est pas tout à fait encore capable de se prendre en charge et d'être un interlocuteur entier pour l'Européen et pour l'Europe. Et du côté de l'Afrique, se débarrasser du complexe du colonisé et du néocolonisé et de plus, aujourd'hui, véritablement, traiter avec l'Europe comme une entité qui a intérêt à travailler avec l'Afrique. Et une entité qui désire travailler avec l'Afrique et qui a intérêt à travailler avec l'Afrique et qui a intérêt à travailler avec l'Afrique sur une base véritablement d'égal à égal et sur une base qui pourra faire que l'Afrique demain ou après-demain puisse être un continent à la fois développé, stable et qui puisse véritablement contribuer à la richesse du monde et à la stabilité du monde et au développement du monde. Merci. Que craignez-vous pour les relations de l'Afrique avec l'Europe? Je n'ai pas beaucoup de craintes. Je sais que je n'ai pas beaucoup de craintes. Je pense que les uns et les autres sont aujourd'hui convaincus de la nécessité de cette relation. Que les uns et les autres savent que l'Afrique et l'Europe sont deux continents qui sont des continents frontaliers, qui sont voisins et que chacun est sûr aujourd'hui et convaincu aujourd'hui de la nécessité de travailler ensemble et que l'Europe et l'Afrique ont une histoire commune.
Ils ont une très longue histoire commune et cette longue histoire commune peut leur permettre véritablement de travailler la main dans la main pour s'en sortir. Donc je n'ai pas de. Aujourd'hui, je pense qu'à la fois les Africains et les Européens ont largement cette conviction. L'essentiel, c'est de trouver les meilleures voies pour que le travail se fasse dans la meilleure, dans un esprit véritablement d'égal à égal et dans un esprit où les uns et les autres puissent en tirer les meilleures parties sans aucun complexe. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Merci. Quelle est la spécificité des rapports entre l'Europe et la Mauritanie par rapport au reste du continent africain? Alors, par rapport au continent africain, la Mauritanie d'abord est un pays frontalier de l'Europe. Il faut bien comprendre que la Mauritanie, par la géographie, est un pays frontalier de l'Europe parce que nous sommes à quelques encablures des îles Canaries. Et donc, le fait que nous soyons à quelques encablures des îles Canaries, que nous sommes de ce fait pratiquement un pays frontalier de l'Europe. Ceci, par conséquent, nous met dans une perspective très particulière pour l'Europe et particulièrement par rapport à l'immigration, aux questions de l'immigration, et donc qui est aujourd'hui une question politique et économique d'une importance capitale. Et par conséquent, cette proximité, et le fait que nous sommes le dernier territoire africain, qui sert de tremplin vers l'Europe et pour l'immigration clandestine aujourd'hui, fait que nous avons une spécificité par rapport à l'Europe de ce point de vue, qui est une spécificité très importante. La deuxième spécificité pour la Mauritanie, c'est que la Mauritanie a toujours été une zone de pêche pour l'Europe. Elle a été pour les Français à travers les Bretons, historiquement, elle a été pour les Espagnols à travers les Canariens, mais aujourd'hui, la Mauritanie est un accord global, et je crois que c'est un accord qui est certainement l'un des accords les plus importants qui a été contracté par l'Europe avec un pays africain, et donc c'est cette spécificité, la Mauritanie là avec l'Europe, et cet accord est extrêmement important à la fois pour la Mauritanie, mais il est aussi extrêmement important pour l'Europe. Et je pense que ces deux spécificités sont extrêmement importantes à bien comprendre et à gérer à la fois par la Mauritanie et pour l'Europe. Merci. Et ma dernière question, vous avez parlé de la nécessité de s'écouter et de s'entendre de l'Europe avec l'Afrique. Est-ce qu'à votre avis, la voix africaine, mauritanienne probablement, est suffisamment entendu en Europe? Je crois que la Mauritanie a la chance à la fois de participer à l'ensemble de l'action de l'Afrique avec l'Europe dans plusieurs cadres à la fois parce que sa position géographique, sa composition, la composition de sa population et sa position géographique font que c'est un pays charnière entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Et par conséquent, elle est à la fois, si vous voulez, interlocuteur de l'Europe dans le cadre de la Méditerranée, de la Méditerranée. Elle est à la fois impliquée dans le cadre des ACP. Et elle est en troisième lieu impliquée dans un nombre de cadres de traités bilatéraux entre les États, particulièrement avec la France, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, et avec un certain nombre de pays, mais particulièrement avec ces trois pays, avec un certain nombre de pays. Par conséquent, la voix de la Mauritanie est là et est présente dans toutes les initiatives de l'Europe et de l'Afrique à tous les niveaux et à toutes les instances. Et par conséquent, je pense que il appartient à la Mauritanie véritablement d'utiliser cette situation pour être un interlocuteur et un participant actif de cette coopération Euro-Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci.